Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voyage avec vous. Je vous amène dans la région du littoral Cameroun, département du Mungo, dans la ville de Mandjo. Quittant de Yaoundé où je vis pour Mandjo, on prend un bus. Et l'agence que je vais prendre, c'est cette agence que vous voyez là. Le voyage, c'est 7 heures de temps. On prend d'abord Yaoundé-Consamba, puis de Consamba, on prend la voiture pour Mandjo. Quittant du centre Cameroun pour la ville de Consamba, on peut soit passer par la ville de Douala ou alors passer par l'ouest en traversant le pont de la Sanaga au niveau de Ebebda. Le voyage étant très long, en route, il y a plusieurs pauses pipi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à commenter et à partager. Nous avons fait plus de 7 heures de route et nous sommes arrivés à Mandjo. Il faisait déjà obscur, c'était déjà la nuit. Nous sommes allés juste se laver, manger, se reposer et dormir. Et le matin, je me suis précipitée à aller dans mon ancien lycée. J'avais hâte d'arriver dans la ville pour aller dans mon ancien lycée. Même si on allait pour un événement, j'ai quand même pu prendre un tout petit peu de temps pour aller regarder mon ancien lycée et visiter mes salles de classe. Donc, je visite avec vous. Si tu connais cette ville, si tu connais ce lycée, n'hésite pas à me dire quelque chose en commentaire. Je suis dans mon lycée, mon ancien lycée à Mandjo, où j'ai fait de la sixième en terminale. Là, je vais vous montrer ma sixième, je vais vous montrer ma quatrième. Mais aujourd'hui, les salles de classe ont tellement changé que ma sixième est devenue la terminale. Ma quatrième, elle est devenue quoi? On dirait une salle de professeur. Et là, c'est notre podium où il nous arrivait de danser. Quand on devait faire les ballets, c'était là-bas. C'était là derrière où on faisait les ballets, on dansait. C'est-à-dire, les gens se plaçaient ici comme ça. Les gens se placent ici, on nous voit danser. On nous voit danser derrière là-bas. Ah, la nostalgie, je suis trop contente de me retrouver ici. Après, ça fait comme une année que j'ai eu les bacs. Mon Dieu, 15 ans, après c'est 15 ans. Après ces 15 ans que je suis plus entrée dans ce lycée, mais j'ai seulement eu à voir mon lycée ancien. Donc voilà, voilà. Donc là-bas au coin, c'était ma cinquième. Et la première salle de classe juste à l'entrée là, c'était ma sixième. Et derrière le podium, ici, c'était là, ma quatrième. Et là-bas, j'ai fait ma troisième. Je suis revenue ici. Là où il y a l'arbre là, ma seconde, la première derrière et la terminale derrière. Maintenant tout a changé. Un coucou à tous les anciens du lycée de Mandjo qui sont passés de à partir de 2000, voilà. Ceux de à partir de 2000, un coucou à vous. Si jamais vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez reconnu votre classe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai mis les chats parce que nous sommes le matin. Je suis venue à Mandjo pour une cérémonie et je suis très vite passée au lycée pour faire cette vidéo parce que je voulais vraiment voir mon lycée. Et c'est le sapin.
C'est le sac de l'appareil photo. Je voulais très vite voir mon lycée et rentrer, faire ce qu'on avait fait. Ici, c'est l'administration. C'était là l'administration. Le petit coin là, c'était où on allait boire de l'eau. Mais je me rends compte qu'ils ont déporté ça par ici, à côté de ma sixième qui est devenue la terminale allemand. À l'époque, je n'étais même pas séparée. Terminale allemand était avec terminale espagnole. Ils se séparaient jusqu'à quand ils devaient faire les cours de langue. Oh, ce joli sapin dans le lycée. On levait les couleurs où? Ah, on levait les couleurs là-bas, à côté de... Ah, mais derrière, je vois les escaliers. On y va. Parce que je vois qu'il y a des nouveautés là-bas. Les amis, ici c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne. Moi c'est Nathalie, maman de deux filles. Et je fais des vidéos motivation, ménage, astuces, organisation et un peu de décoration. En fait, je vous montre mon quotidien sur comment je gère ma famille, comment je gère ma vie de maman, ma vie d'épouse. Et je partage avec vous mes astuces, mes petits secrets. Pour être une maman épanouie, la vie de maman n'est pas facile, la vie d'épouse, elle non plus. Mais aujourd'hui, je vous prends pour un vlog à Mandjo. Et là, précisément, nous sommes au lycée de Mandjo, le lycée où j'ai grandi. Je voulais vraiment partager une vidéo de mon passé, voilà. Mandjo, c'est mon passé, Mandjo, c'est mon repère, Mandjo, c'est ma base. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Ici, c'est chez mes grands-parents à Mandjo. Donc, voici le terminal. J'ai fait la première là-bas. La salle de classe qui est dans la monture, un peu sur le mur là. J'ai fait la première là-bas. Et la salle du milieu. Bon, ici, en fait, il y a trois terminales. Il y avait trois terminales. Et celle du milieu, c'était la terminale C. Donc, j'ai fait la terminale C ici. Ici, dedans, c'est ma salle de classe. Oh, à l'époque, on avait tellement mis des fleurs, on avait arrangé. Notre entrée était vraiment à la hauteur des matheux. À la hauteur des matheux que nous étions. Ici, c'est ma première. J'ai fait ma première C ici, là. J'ai fait ma première C là. Et juste derrière, il y a l'école primaire. J'ai fait l'école primaire là derrière. Quand il nous arrivait d'escalader, on allait au coin là-bas. On allait derrière là-bas. On allait derrière là-bas pour escalader. Bon, donc c'était ma première ici qui est devenue la sixième. Et là, la terminale. Voilà. Mon lycée. Trop contente d'être passée par ici. Voilà, vraiment, 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 vraiment contente. Donc, voilà, partout s'afficher, nous, on va SIDA et OSEM ST. Bon, ici, donc, c'était le quatrième. Le quatrième, avec notre podium là-bas, quand il y avait les kermesses au lycée, on se mettait là pour danser. Si j'avais quelqu'un pour tenir cet appareil, j'allais monter là-bas, vous esquisser quelques pas. Des balais que je faisais. J'ai même pensé mettre mon tripied dans le sac quand je venais, mais je ne voulais pas prendre un gros sac. Je ne voulais pas aussi m'encombrer. Si j'avais pris un sac plus gros, j'aurais mis le tripied et j'aurais posé la caméra ici. Et vous faites quelques pas. Des balais. J'ai dansé les balais au lycée. Hein? J'ai dansé les balais au lycée. Je ne me faisais pas. Je n'étais pas doucement, quoi. Donc, ma cinquième, c'était la classe du cinquième, long là-bas, c'était ça, ma cinquième. Donc, voilà, je vous ai montré un peu toutes mes classes. Maintenant, je vous amène au marché de Mandjo. Si j'ai le temps en journée, demain, je vais repasser ici avec un cousin, mon petit frère, pour qu'il me fasse les photos. Là, toute seule, c'est pas évident. Je reviens donc de mon lycée étant très très contente, très très heureuse. C'était un mélange de sentiments et j'ai été très en joie de refaire un tour dans mon lycée. Ensuite, je vous amène au marché où ma mère et ma petite soeur, nous allons faire des achats
pour le culte d'action de grâce de mes grands-parents que nous sommes venus faire. Je ne vais pas hésiter à m'arrêter devant les beignets manioc. À l'époque, nous appelions ça les tintins. C'est ce qu'on nous vendait à l'école. Donc, après plusieurs années sans l'avoir mangé, je me suis dit, faut que je goûte. Honnêtement, ce n'était pas aussi fameux qu'avant. Avant, c'était trop bon. Maintenant, là, vraiment, ça a trop changé. Enjoyez la vidéo et regardez-la jusqu'à la fin. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.